la dernière fois. T'aimes bien? Il est super beau. Il est beau. Et toi? Waouh. Ah ouais, il est bien gaulé. Mate-moi ce petit cul. Regarde, t'as vu? Hé, hey, t'aurais pas un 06 par hasard? Allez, fais pas ton timide. Sinon, mais il se la bête trop de façon. Il est relou, hein. Putain, les gars, vous avez vu les filles quand même on parlait? Ils sont déchaînés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Non, elles ont toujours été comme ça. Ouais, de vrais charreaux depuis le début de l'année. Ah bon? J'avais pas remarqué, hein. Putain, Alix, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, pourquoi? Tu viens de me toucher les fesses. Ça va, c'est rien. Bah non, j'ai pas envie que tu me touches les fesses. Écoute, si tu voulais pas que je te touche, t'avais qu'à pas t'habiller comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes habits? Bah, tu t'habilles avec une tenue qui dit « viens me tripoter » et après t'assumes pas. Quoi? T'es n'importe quoi. Et puis je m'habille comme je veux. Oui, tu t'habilles comme tu veux, mais après, il faudra pas se plaindre si t'arrive un truc. C'est n'importe quoi. Et vous les gars, vous dites rien? Bah c'est vrai qu'en même temps, t'es un peu habillé comme un... Comme un quoi? Non, c'est rien, laisse tomber. Oh, tiens, ma ta soeur qui arrive. Salut Arthur! Oh salut Léa, content de te voir! Attendez, j'ai une blague. Vous savez pourquoi les mecs s'assoient toujours les jambes écartées? Non. Bah pour laisser leur cerveau respirer! Ouais, non. C'est nul. Elle est drôle! Bah non. Oh si, ça y est, on sait que vous pensez qu'à ça, vous les mecs. Qu'à quoi? Bah au sexe, purée, vous êtes long aujourd'hui! Attendez, j'en ai une autre. C'est quoi l'année préférée des gars? Je sais pas. 1664. Et pourquoi? Bah. 1664, la bière quoi! Ok, donc pour toi, en fait, tu penses que les mecs, ça aime boire de la bière et penser qu'au sexe? Oh, ça va, c'est pour rire. T'as beau être mon frère, t'es quand même coincé comme mec. Hein. Je sens dans 2 minutes, tu vas me dire que les mecs, c'est infidèle, ça pleure jamais et ça se gratte les couilles en regardant un match de foot. Ah, c'est vrai que je le fais, ça. Enfin, non. C'est quoi cette galerie cliché sur les mecs? Ah, j'ai compris. C'est une blague. En fait, vous êtes complices, vous tous. Non. Mais de quoi tu parles? Le prof de théâtre m'avait demandé de faire une fille qui se bat, et moi du coup j'ai fait comme ça pour rigoler, et du coup vous voulez me donner une leçon? Non, je te l'ai dit, les filles ont toujours été comme ça. Moi depuis que je suis tout petit, je me fais harceler par ma voisine. Ok, c'est bon, j'ai compris, la blague a assez duré, on arrête maintenant, ça suffit. Je comprends pas de quoi tu parles, ça a toujours été comme ça. Hein. Bon les gars, faut qu'on aille en cours là, on va trop en retard sinon. Ouais, c'est t'as raison. C'est encore nous? Ça va? Non mais, Non, arrêtez. Allez, on rigole. Stop, non. Arthur? Quoi? Tu te fais toujours harceler par ta voisine? Mais de quoi tu parles? Non, rien, oublie. Léa? Ouais? Tu peux me dire une blague, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est vert et qui va de haut en bas? Je sais pas. Un petit poids dans un ascenseur? Ok, non, c'était de la merde, mais ça va, c'est bon. C'est revenu qu'on va prendre. 6 femmes sur 10 ont déjà subi des propos sexistes dans la rue, et 1 femme sur 10 a déjà été victime de viol. Alors, on continue comme avant ?